J'arrête de boire et mon artiste me pousse dans l'alcool encore. Bonjour. J'arrête de boire et tu me pousses encore dans l'alcool. J'arrête de boire et tu me pousses dans l'alcool. J'ai arrêté ici. Mon artiste, j'ai arrêté l'alcool. Tu me pousses encore dedans. Tu me pousses encore dans la jonque. Matin bonheur. Je n'accepte pas. Matin bonheur. J'ai arrêté l'alcool. J'ai arrêté l'alcool. Matin bonheur. Tu me pousses dans l'alcool, mon artiste. Tu me pousses dans l'alcool, mon artiste. Tu me pousses encore dans la jonc. Tu me pousses dans la jonc. J'ai arrêté l'alcool. Parce que j'ai compris que ça détruit. Oui. C'est ça qui est ça. Bonjour, connectez-vous. 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 La femme que tu vas épouser, que tu coches, j'ai le cas. Le kaolo, rien que pour ça, je ne peux pas manquer l'homme de ma vie. Enfin, Jean. Moi qui ai arrêté de boire, tu me repousses, tu me fais replonger dans la jonque. On peut faire ça, dama. On peut faire ça. On peut faire ça, dama. Ah mon Dieu, mais on peut pousser quelqu'un à jonque comme ça, dama. Connectez-vous, longue en direct. Connectez-vous. Connectez-vous. Longue et en haut. Ça, c'est. Et ma star est en haut. Ma star. Tu es ma star. Mais je ne comprends pas comment tu me fais encore jonc. Tout le monde sait que j'ai arrêté l'alcool. J'ai dit ici que si je bois encore, on me porte plainte. J'ai dit ici à tout le monde que si ma faut boire encore, vous portez plainte. Voilà que je suis en train de boire. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de votre oncle. Et là, Fleur de lit, tu as grossi, Fleur de lit, tu as grossi. Laissez. Une mafo doit être imposante. La copine de Mbengis, Hortense Coco, c'est comment? Quand ça chicote au pays, tu ne pars pas la voir. N'est-ce pas, tu vois tous les Mbengis? Pardon. Je suis aux toilettes là. Je suis aux toilettes, ouais. Tu te rappelais? T'es en pause? Ouais, je suis aux toilettes, j'ai mal au ventre. Je te rappelle après, dès que je sors des toilettes là. J'aime quand je suis aux toilettes, je suis concentrée quoi, sinon après j'arrive pas. Je t'assure, tu sais, quand je suis aux toilettes, j'aime être concentrée quoi. Dès que fini aux toilettes, je t'appelle. S'il te plaît. Aïe, mon ventre. Ouf, mon Dieu. Athée. Bref. Donc, maman. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, j'ai pas bien dormi cette nuit. J'étais très angoissée, j'étais très angoissée cette nuit, je n'ai pas dormi. Même mon gars m'a appelé ce matin en disant,
quand mon fiancé m'a appelé ce matin, en disant, ma chérie, est-ce que tu as bien dormi, comme il a l'habitude de faire tous les matins, j'ai dit, mon cœur, j'ai pas bien dormi. Il m'a dit, pourquoi tu n'as pas bien dormi? Je lui ai dit, mon amour, c'est tout simplement parce que je suis embêtée, je suis perturbée. Il me dit, mon cœur, pourquoi tu es perturbée? J'ai dit, mon amour, je suis perturbée parce que j'ai vu les vidéos de Shakiru et ça me fait mal, mon cœur. Je n'ai pas dormi. Je tournais seulement dans le lit. Je n'arrivais pas. Le stress, j'ai trop stressé. Et il m'a dit, mon cœur, tu ne peux pas, il ne peut pas faire ces bêtises et c'est toi qui passes les nuits blanches. J'ai dit, mon amour, je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. À 7 heures, j'étais déjà debout. D'habitude, moi, je dors jusqu'à 8h30, 9h. Mais je vous assure, je n'ai pas dormi. J'avais les coupures dans la nuit. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai tourné dans le lit. J'ai tourné dans le lit jusqu'à... Parce que je n'arrivais pas à dormir. Le stress m'a pris. Je me suis levée comme ça et dit que ouais, je vais aller au frigo, je vais boire quelque chose. Malheureusement, j'ai ouvert mon frigo, je n'avais rien à boire. Je suis repartie m'allonger. Mon gars m'a rassurée. Il m'a dit, mon amour, essaie de dormir. Tu as besoin de te reposer. J'ai dit, ok bébé, je vais essayer. C'est ce que j'ai promis à mon homme. Donc ce matin, on me réveille. Bon, c'est vrai que je t'ai déjà réveillé. D'abord, c'est mon petit frère, mon Djanga. Dieu éternel qui m'appelle. Mafo, ma bic, tu es où? J'ai dit que ah, je suis en train de commotte là. Il m'a dit, ah, il y a Longuin qui m'a appelé ce matin. Il est très fâché. J'ai dit que fâché par rapport à quoi? J'ai dit que il est fâché par rapport à quoi? Comment est-ce que Longuin est fâché? Il a mon numéro, non? Il t'appelle, toi, mon petit frère, maintenant, qu'il y a quoi? J'ai dit que, ouais, est-ce que les abeilles encore sont retournées sur lui? Puisque j'ai dit aux abeilles que c'est votre tonton. J'ai dit aux abeilles de ne plus insulter Longuin, même s'il y a quoi? Parce que Longuin, c'est notre artiste, c'est une star, et c'est leur tonton. Et puis, mon petit frère qui me fait savoir, qui dit que tu as dit que si Shakir revient en Europe, on ne l'accueille pas. Mes chers frères et sœurs, je vais mettre le direct de Longuin, parce que je suis allée, j'ai vu le direct qu'il a fait. Moi, avant de répondre à Longuin, parce que moi, je le respecte. Je le respecte. Je suis la seule personne sur Facebook que Longuin critique. Il n'a jamais parlé à Ustam Brakata. Du moins, je suis la plus aimée. Il m'aime beaucoup. En même temps, il me déteste aussi. Je ne sais pas pourquoi. L'artiste Longuin, vraiment, je vois les filles qui sont vraiment méchantes sur Facebook. Tu n'as jamais dit qu'ils sont méchants. Pourquoi c'est toujours moi que tu trouves que je suis la méchante? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je te dois? Hein, mon frère, qu'est-ce que moi je t'ai fait? Est-ce que nous sommes obligés d'être du même avis? Est-ce que je dois aller à ton sens? D'ailleurs, je voulais déjà commencer par te féliciter, surtout féliciter Aïe, qui est venu vers son papou, qui est venu vers son papa, qui est toi, Longuin, pour demander les excuses. C'est une très bonne chose. Nous, on a tous souhaité ça. Donc, vraiment, l'humilité précède la gloire. Quand on offense quelqu'un sur les réseaux sociaux, parce que pour nous, Aïe, t'a offensé. Toi-même, tu n'es pas simple, Longuin. Mais il est revenu te demander pardon et tu as accepté ses excuses. C'est une très bonne chose. Moi, j'apprécie. Vous devez faire une bonne équipe ensemble. Tu as beaucoup fait pour lui et tout le monde a vu. Donc, vraiment, je suis fière de Aïe, qui a demandé pardon à son papou, qui a demandé pardon à son tonton Longuin. Il a demandé un pardon public, un pardon officiel. Il a encore reconnu que c'est grâce à Longuin qu'il est là où il est aujourd'hui. Vraiment, bravo à Aïe. Envoyez les cœurs. Traumatisez les cœurs pour Aïe. Partagez. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de demander pardon. C'est pas tout le monde. Le pardon, là, c'est pas tout le monde qui le fait. Envoyez les cœurs pour Aïe. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Traumatisez les cœurs pour Aïe. Et envoyez les cœurs pour Longuin parce que c'est un homme qui a un grand cœur. Longuin n'est pas quelqu'un de méchant. Je peux vous rassurer qu'il n'est pas quelqu'un de méchant. Il est juste une personne qui est souvent maladroit. Mais dit que la méchanceté, il n'est pas méchant, mais il est maladroit.
Et comme les réseaux sociaux sont encore venus et que maintenant il est toujours sur les réseaux sociaux, les gens interprètent souvent mal. Mais moi, je vois que le côté positif de Longuet Longuet. J'ai décidé de regarder désormais que son côté positif, de ne pas regarder le côté négatif. Parce que dans la vie, nul n'est parfait, on fait tous des erreurs. Donc, depuis que j'ai fait la paix avec Longuet Longuet, j'ai décidé. Et la paix, moi, quand je fais la paix avec une personne, même si la personne fait quoi, moi, je ne peux pas venir encore insulter Longuet Longuet sur les réseaux sociaux. Non. On peut ne pas être d'accord. Mais moi, en tant que sa petite sœur, je dois l'expliquer. Je dois lui faire comprendre pourquoi j'ai pris une telle position. Je ne dois pas venir dans les clashs avec lui. Quand moi, je fais la paix est pour de vrai. Je ne veux pas revenir encore commencer à dire que à parler mal à Longuet Longuet. Non, parce que ce n'est pas mon égal. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord. Je suis la seule personne que Longuet Longuet critique sur les réseaux sociaux. Il n'a jamais lancé sa caméra pour parler d'une autre personne, malgré tout ce que les gens font ici sur les réseaux sociaux. J'ai vu des personnes parler des artistes ici. Je n'ai pas vu Longuet Longuet mettre la caméra pour dire que non. Entre nous, les collègues artistes, pourquoi vous les bloquez, vous vous mêlez de ce qui concerne les artistes? Il n'a pas fait. Parce que c'est ça moins cher. Pourquoi? Pourquoi c'est moi qui dois tout subir? Mais tel, ce n'est pas un problème. Moi, j'accepte ses critiques. Et je suis venue répondre à Longuet Longuet et lui faire comprendre que dans la vie, parfois, il faut un choc à un enfant pour lui faire comprendre. Quand un enfant est très têtu, on doit parler à cet enfant avec douceur. Mais quand l'enfant ne comprend pas la douceur, on doit entrer dans la violence comme lui-même. La violence n'est pas seulement physique. La violence aussi est mentale. Et la violence mentale est plus difficile que la violence physique. Quand je parle de la violence mentale, je vais prendre l'exemple d'un enfant têtu en France. Un enfant étranger qui n'écoute pas ses parents, qu'on a fait venir en France. Pour toucher cet enfant moralement, on le renvoie en Afrique. Parce qu'on sait très bien que l'Afrique est différente de l'Europe et que, mine de rien, il sera touché mentalement. Et je ne connais pas un enfant qui a vécu en Europe, qu'on a renvoyé en Afrique parce qu'il était têtu, qui n'a pas changé. Tous ces enfants qu'on renvoie en Afrique changent toujours. Ils rentrent toujours avec une expérience. Ils rentrent toujours avec quelque chose de nouveau dans leur vie. Parce qu'ils comprennent qu'ils ont de la chance d'être là où ils sont. Ils voient d'autres enfants qui souffrent. Pour savoir que tu es bien, il faut voir d'autres personnes qui souffrent pour faire la comparaison. Donc c'est ce que je vais faire comprendre à Longuet Longuet, que si j'ai critiqué Shakirou, je ne peux pas changer ma position face à Shakirou. Je n'ai pas dormi. Vous n'aimez pas Shakirou plus que nous. Je ne peux pas encourager ça. Je ne peux pas venir sur les réseaux sociaux pour encourager ce qu'il fait. Je préfère être dur avec lui, avoir un choc pour qu'il puisse comprendre qu'il est allé trop loin. Et je continue de le dire. Moi, je vais d'abord vous mettre le live de Longuet Longuet. Vous allez écouter ce qu'il a dit. Vous allez écouter. Moi, je vais répondre par rapport à ce que vous allez bien écouter tout ce qu'il a dit. Vous allez écouter. Et puis après, moi, je vais vous répondre. Attendez, en ce moment, je mets trop Canal 2. Je ne sais pas pourquoi. J'arrête pas de mettre Canal 2. Je cherche un peu. Le direct là. Il a fait ça où est? Je ne vois même pas. Hein. Ok. Bon, je vais mettre. C'est Antoine, Premier ministre. J'ai chaud, hein? Franchement. Ne pensez pas, je vais juste mettre ce que Longuet Longuet a dit pour lui faire comprendre que, comme il a dit comment je suis méchante et tout, moi je n'accepte pas ça. Insupportable. Les propos de la MAFO. Quand il dit la MAFO, c'est le respect. Donc il doit le... très méchant de ta part, MAFO. Ah. C'est méchant. Ah bon? Dit que Shakirou mérite de rester en prison.
dit que on va prendre Shakiro, aller le mettre au village. Dit que chaque personne ne doit accueillir Shakiro en Europe. Parce que rien qu'à voir ce, la manière qu'il s'agite, il est méchant. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que toi tu es gentil? On t'aime pas, on ne tient pas ce genre de propos. On ne tient pas. Tu veux détruire la vie d'une personne déjà qui subit tout un acharnement. Écoutez. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Longuet. Écoutez bien. Il est 4h29. Et ce que je viens de voir est insupportable. Insupportable. Les propos de la MAF. C'est très, très méchant de ta part, MAF. C'est méchant. Tu es très gentil. Je ne sais même pas où il y a le direct là. Parce qu'on dirait que ça ne passe plus là. On ne tient pas. Tu veux détruire la vie d'une personne déjà qui subit tout un acharnement. C'est moi qui ai détruit sa vie, maman. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Longuet. Si tu veux te panouir, tu veux marcher avec quelqu'un en plein jour, viens, tu vas marcher avec moi. Je me bats contre les démunis. Je me bats contre les couches faibles. Il y a des choses que je n'accepte pas. Tu ne peux pas tenir ce genre de discours alors que tes amis sont de la même couche que Shakiro et s'agitent à longueur de journée sur Facebook. Ils s'agitent, ils sont en Europe, non? Et s'agitent et c'est pas... Je vais répondre à Longuet. Grand frère Longuet, mes amis sont des gays, oui. Eux, ils s'agitent en longueur journée sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne sont pas au Cameroun. Ils sont en France, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis, ils peuvent s'agiter sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont ici, ils sont protégés. Je continue de t'écouter. Puis je vais te... Parce que tu n'as pas compris le sens de mes propos. Quoi que ce soit. Mais les propos que tu tiens, Mafo, sont insupportables. Il est 3h29, je n'ai pas pu supporter. J'ai pas pu digérer. J'ai dit, putain, comment tu peux tenir ce genre de propos? Quel propos? Comment... Qu'est-ce qui ne va pas? Hé! Hey. Mafo, qu'est-ce qui ne va pas? Envoie les cœurs. Shakiro t'a appelé pour te dire qu'elle se sent mal. Elle se sent mal, lui. Shakiro m'a envoyé ses vidéos, j'ai dit que je ne publie pas. Parce qu'il exagère. Il mérite rester en prison. Tu souhaites la prison à quelqu'un? Tu mens, je n'ai jamais dit qu'il mérite. Longuet, là tu mens. Je n'ai pas dit qu'il mérite de ça. J'ai dit que, attendez, non, il faut arrêter. Je ne rigole pas. D'accord? Il ne faut pas que Longuet manque sous mon nom. Parce que je suis respectueuse. J'ai dit à quel moment qu'il mérite de ça en prison. J'ai dit que la prison serait mieux pour lui parce que ça le protège. C'est différent, il ne faut pas transformer les propos des gens. J'ai dit que le fait qu'il est sorti et qu'il est dehors là, on risque de lui faire du mal parce qu'il ne sait pas rester tranquille. Qu'en prison même, il était même plus protégé que d'être dehors. Moi, je connais les trafiquants d'un coup, ici en Europe. Les trafiquants qui sont les femmes, les nanjas. J'avais une amie qui était une grande proxénète. Quand on a arrêté ses filles, elle l'a mise en prison. Au moment de lui faire sortir, elle a dit que non, elle veut rester encore parce qu'on la cherchait dehors.
On a dit que les Nigériens l'a cherché, les Nigériens l'a cherché dehors. Donc elle a dit que non, elle va encore rester un peu en prison. Elle a demandé que non, elle veut rester un peu en prison. Elle est restée en prison, elle a même fait la couture. Elle a pris la couture en prison. D'accord? Longue dit que moi, je dis qu'il mérite la prison. Il faut arrêter ça, hein. Franchement, il ne faut pas mentir sur mon nom. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas une artiste. Je ne suis pas obligée d'être du même avis que toi. Je ne suis pas obligée d'être du même avis que Longue. D'accord? Je suis libre de donner mon avis. Donc, il a seulement pris là où j'ai dit que non, s'il revient en Europe, que ce genre d'enfant qui ne respecte pas ses parents, il ne mérite même pas de rester chez quelqu'un en bain. Si tu l'attends, il peut même prendre ton mari, te faire un coup de pute, après il s'en va, il n'en a rien à foutre. Ça veut dire que moi, je déteste Shakiru. On continue de l'écouter. Quand même, il faut arrêter. Quand vous respectez, respectez les gens qui vous respectent. Moi, je te dois quoi? Hein? Chaque fois, il faut que tu t'acharnes sur moi. Pourquoi? Les autres blogueuses qui sont faites, tu as parlé de qui? Hein? Je suis libre de donner mon avis. Je ne vois pas les autres personnes. Quand ils parlent sur Facebook, vous ne dites rien. Mais quand c'est moi, comme je suis votre moins cher, c'est sur qui on doit marcher, on doit piétiner, on ne me piétine pas. D'accord? Je suis libre de donner mon avis. Hein? Je ne veux même plus continuer à écouter. Je ne veux plus continuer à écouter parce que je n'ai pas envie d'être désagréable. Je suis une fille très respectueuse. D'accord? Le direct que j'ai fait, il a donné mon avis. Mes chers et sœurs, quand on était plus jeunes, quand on était petites, quand tu fais un truc, on te fait planter les choux, tu portes deux pieds comme ça. N'est-ce pas? Tu commences à détester. Peut-être tu habites ton oncle, tu habites ta tante, tu commences à avoir la haine. Mais c'est parce qu'on a été dressé. Hein? Vous voulez seulement qu'on encourage. On encourage quoi? Quand on aime un enfant, à un moment donné, on est même violent vis-à-vis de cet enfant-là. Vous pensez que vous aimez Shakiru plus que moi? Jusqu'à ce que moi, il souhaite le malheur de Shakiru. Il est qui pour moi? Je le connais où? Pour souhaiter son malheur. Et puis les gens qui m'envoient souvent des choses. Ouais, ma, faut parler de tes sujets, parle de tes sujets. C'est la dernière fois. Parce que je remarque que quand vous m'envoyez des sujets, ouais, parle de tes sujets. Quand je parle de quelque chose, ça me retombe tout dessus. Parce qu'il faut que ce soit tout du même avis. Comment je vais soutenir un enfant qu'on a de le réprimander, que non, reste tranquille. Calme-toi, calme-toi. Hein? Il faut souvent arrêter. Ça devient même quoi avec vous? Je suis obligé d'être de son côté. Je ne le supporte pas. Je ne supporte pas son action. Mais je suis contre la violence qui a été faite sur lui. Parce que personne ne mérite ça. Si je vous dis que j'ai dormi, c'est que je mens. D'accord? Je suis contre l'agression. Mais vous avez fait quoi des gens du quartier? Hein? Il parle de quoi? Il parle de quoi là? Sérieux, il faut que Longue, à un moment donné, il faut qu'il arrête. Franchement, arrêtons un peu. Pourquoi c'est toujours sur moi que tu t'acharnes en fait? Pourquoi? Je suis obligée d'être du même avis que toi. Je connais chacun, on l'a rencontré, tu le connais, vous êtes au Cameroun ensemble. On ne réfléchit pas de la même façon, chacun donne son opinion. Moi, je dis que pour moi, je ne suis pas d'accord qu'il gesticule, il se pavane et je reste dessus, je suis clair et net. Et j'assume mes propos. J'assume mes propos. Que j'ai dit qu'on le prend, on va le laisser au village. Oui, j'ai dit ça. Quand je dis que non, c'est même mieux qu'on le prend, on va le cacher, que le pays reste au village. Au village, il n'y a pas la vie. Moi, il suffit qu'il a grandi un peu au village. Au village, les gens ne vivent pas. Donc, si on dit qu'on va le laisser au village, ça veut dire qu'on veut sa mort. Qui est déjà décédé parce qu'on l'a pris en vie d'aller le laisser au village? Il faut souvent arrêter. Hein? C'est parce que moi, je n'insulte pas les gens sur Facebook. Hein? Parce que moi, je ne suis pas violente verbalement avec vous. J'ai donné mon point de vue. Donc, si elle dit qu'on le prend, on va le laisser au village. Ça veut dire que moi, je le déteste. Donc, les enfants que... Donc, quand un parent en Europe, il prend la pièce, il prend le passeport de son enfant, il lui dit qu'accompagne-moi, allons en vacances. Arrivé, il abandonne l'enfant là-bas. Ça veut dire que le parent n'aime pas l'enfant. Non. C'est parce que c'est la seule manière de faire, de toucher l'enfant psychologiquement. Oui. Quand on est dans un pays, vous ne pouvez pas... Quand on est dans un pays, on respecte les lois de ce pays-là.
Il est encore au Cameroun, il ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il met sa vie en danger. Vous-même, quand vous voyez comment il se fait agresser comme ça, est-ce que ça vous fait du bien? C'est quand même l'enfant de quelqu'un. Tu demandes si sa mère m'a appelé pour me dire qu'elle souffre. Donc, moi, je suis une mère. Je peux ressentir ce qu'une maman ressent en voyant son enfant se faire bastonner. Qu'est-ce que tu peux dire comme ça, mon grand? Qu'est-ce que tu peux dire comme ça que est-ce que la mère de Shakir m'a appelé pour me dire qu'elle souffre? Tu peux voir ton enfant dans cet état-là, tu n'as pas mal? Hein? Tu peux voir ton enfant dans cet état-là, tu n'as pas mal? Quand même, arrêtons un peu. Tu penses que moi, j'ai dormi? Parce que j'ai vu ces images-là, ça m'a traumatisé psychologiquement. Si on est violent verbalement aujourd'hui avec lui, c'est la seule façon de lui faire comprendre qu'il doit arrêter. Il fait souffrir ses parents. Ses parents ne sont pas obligés de m'appeler pour me dire que, oui, Shakir, oh, ça se voit. Est-ce que tu sais qu'il peut se faire tuer comme ça? Et vous allez dire quoi après? Que non, vis ta vie. Il ne doit pas vivre cette vie-là au Cameroun. Il ne peut pas vivre cette vie-là là-bas. On sait ce que c'est que la prison. On sait ce que les gens subissent en prison. Il est sorti de là. Je pensais qu'il sortait assagi. Il sortait assagi de la prison. Il allait rester tranquille. Moi, j'ai vu une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo où il est en train de marcher avant qu'on ne l'agresse. Avant qu'on ne l'agresse. Je vais vous montrer une vidéo avant qu'on ne l'agresse. Vous allez voir un peu. Je cherche la vidéo où il y a une vidéo où il est en train de marcher à Deido là avant qu'on ne l'agresse. Pourquoi quand je parle sur Facebook ça tourne toujours que je suis la méchante? Oui, je suis la méchante. J'accepte ma méchanceté. Même mon fils quand ça ne va pas lui donne une claque. Hein? Il faut arrêter. Rien ne justifie sa violence, mais il est dans un quartier d'insécurité. Rien ne justifie sa violence. La violence qui a été faite sur Shakir, moi je l'accepte. Rien, personne ne mérite ça. Personne ne mérite ce qu'il a vécu. Mais il faut aussi qu'il se donne les moyens pour qu'on ne l'agresse plus. Il n'est pas le seul gay du Cameroun. D'accord? N'encourageons pas les choses que c'est même pour encourager. Moi j'étais en train de chercher la vidéo où, quand il marchait, avant qu'on ne l'agresse là. C'est ça que j'étais en train de chercher. Il y a une vidéo où il est en train de marcher. J'ai vu une vidéo où il est en train de marcher. Comment vous pouvez dire à un enfant que vit ta vie? Il va vivre dans un... Vous l'encouragez de vivre sa vie dans un pays où il est incapable de vivre cette vie-là? Ça, c'est l'envoyer à la mort. Ça, c'est l'induit en erreur. Ça, c'est l'induit en erreur. Induit cet enfant en erreur. L'encourager. On doit tous être de même bouche. Être dur avec lui pour qu'il comprenne qu'il doit rester tranquille. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il est question. D'accord? On doit être tous unanimes pour dire à cet enfant, tu restes tranquille, tu te calmes. Quand tu vas quitter le Cameroun, tu vis ta vie comme tu veux. Il n'est pas le seul. Il y a plein de gens comme lui. Vous imaginez? Quand on t'agresse comme ça, avant que la police n'arrive. Mais c'est un peu comme un taximan qui fait l'accident. Avant que la voiture n'arrive, s'il ne se sauve pas, on va le tuer. La justice populaire. Il doit comprendre qu'il est quelqu'un de connu, il est passé dans les médias. Et regardez bien la vidéo, quand il se fait agresser, sa copine qui l'accompagnait, elle a fui. Ça vous a rien, il était avec la fille avec qui il est parti de prison, le gars là. Hein? Quand ils se sont fait agresser, c'est Shakir qu'on a agressé. Ils étaient deux, l'autre s'est caché. Qui va se livrer à la mort parce que je suis avec ma copine, on l'agresse, je vais laisser qu'on m'agresse. L'autre gars qui était, il était aussi en mini, il a fui pour sauver sa vie. C'est Shakir qu'on a agressé parce que c'est lui qu'on connaît. Hein? Vous ne pouvez pas réprimander cet enfant, pourquoi? Hein? Vous pensez que réprimander cet enfant, réprimander non? Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on ne l'aime pas? Hein? On ne peut pas le soutenir dans ça. Hein? Même toi, en tant qu'un artiste, tu dois condamner parce que l'homosexualité n'est pas acceptée au Cameroun, c'est toléré. Mais ce n'est pas accepté, tu dois condamner, tu dois dire non, mon petit frère, ou bien non, ma fille. Parce que c'est une fille, non? Non, ma fille, tu ne peux pas te pavaner comme ça. Hein? Il ne faut pas seulement prendre les points que j'ai dit, la vidéo que j'ai fait hier.
Qu'est-ce que j'ai dit de mal dans cette vidéo? Parce que j'ai dit qu'un enfant qui fait ça à sa mère, si tu l'accueilles même chez toi, il va te faire un coup bas, il s'en fout. Hein? Quand même. Vous pensez qu'on est en train de... On est en train de dire à cet enfant que arrête, arrête de faire ce que tu fais. Arrête pour sauver ta vie. Hein? Je ne suis pas d'accord qu'il se pavane. Je ne suis pas d'accord qu'il gesticule. Je ne suis pas d'accord qu'il s'agite. C'est pour sa vie. D'accord? Moi, je suis en Europe, je peux faire ce que je veux parce que je suis ici. Mais lui, il est là-bas, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et encore, il vient de sortir de prison. Il exagère. Il exagère, il n'est pas le seul gay. C'est pas parce que les gens demandent les papiers en disant qu'on est gay ou bien le truc. Parce qu'en Asie politique, c'est qui donne les kaolo. C'est ça. Qu'il va faire ce qu'il fait là. Mes chers frères et sœurs, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir un peu quand même, non. J'écris même comme ça là. Ça, heureusement que Facebook maintenant paye. J'ai besoin. Envoyez-moi les sujets. Oh. Maman Sarah. Donc, j'étais en train de dire que, maman Sarah, que pour réprimander un enfant, parfois, il faut aussi être un peu violent. Il faut être un peu violent pour qu'il comprenne et tout. Moi, j'ai grandi chez ma tante. Et j'étais celle qui faisait un peu tout. J'étais, on va dire que j'étais presque la seule fille dans la maison et c'était moi qui cuisinais. C'est moi. Moi, je pensais que c'était la maltraitance. C'est quand je suis arrivée en Europe, j'en voulais beaucoup à ma tante. Quand je brûlais la mamie, on me tapait. Quand je partais regarder Marima, que la mamie se brûle, on ne demande pas aux garçons, c'est toujours moi la fille. Mais je ne savais pas qu'elle était en train de me former, de me faire du bien. Moi, je l'en voulais beaucoup. Je trouvais que c'est la maltraitance. Mais aujourd'hui, quand je suis arrivée en Europe, je me suis rendu compte que ce n'est pas la maltraitance. Qu'elle m'a formée et je remercie ma tante, la petite soeur de maman qui m'a élevée à Yaoundé. Moi, je la remercie. Quand on est en Europe, on peut faire ce qu'on veut. Moi, j'étais au village. J'étais un peu la fille qui part au champ chercher si quand les gens de la ville arrivent. Au village, c'est moi qui vais accueillir le ndolé, je lave, je pile, c'est moi qui vais cueillir ceci, c'est moi qui vais cueillir ceci. Mais quand je suis arrivée en France, ma belle-sœur a voulu m'envoyer au champ. J'ai dit que je ne peux pas venir en France cultiver le champ. Alors que je suis venue me chercher et je viens cultiver le champ en France. Pourquoi? J'ai fui le champ chez ma belle-sœur en France parce que j'avais le choix. En Normandie, j'ai dit que je ne peux pas arriver en France, je commence à travailler le champ. Qu'elle commence à aller derrière cueillir les pommes, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait, j'ai refusé parce que j'avais le choix. Hein? Si on dit à un enfant que non, qui n'a pas planté les choux? Qui n'a pas planté les choux? Vous connaissez les punitions de l'Afrique? Qui n'a pas planté les choux en Afrique? Hein? Qui n'a pas planté les choux? Que tu, je ne sais même pas, tu voles même un sucre, on peut te tuer. On peut te tuer en Afrique. Hein? Est-ce que vous avez connu les papas au Cameroun que sa fille dort dehors? Écoutez bien ce que je vous dis. Quand j'étais plus jeune, à Biemassi Tamtam, un jour, il y a un papa qui montait et descendait au Carrefour Tamtam week-end avec sa fille. Il a écrit ici l'ardoise. Elle avait une ardoise. Comme ça, ouais, elle disait que j'ai dormi dehors et j'ai aussi dormi avec un homme. Ça, ce sont les punitions de l'Afrique. On a fait le tour avec elle à Tamtam week-end, qu'elle a dormi dehors. On écrit sur la doise. C'était son enfant. On appelle ça quoi? C'était là, j'ai dormi dehors et je dors déjà avec les hommes. Il tournait, elle montait, elle descendait à Tamtam. On disait que tu vas faire le tour, tout le monde va te voir. Crier sur elle. Ouloulouloulou, on montait alors que c'était son propre enfant. Ça, ce sont les punitions. Oui. Ça, ce sont les punitions.
En Afrique, il y a des punitions, mes chers frères et sœurs. On punit. Mais quand un enfant est têtu, même si tu donnes n'importe quelle punition, quand l'enfant sort, il sait qu'il va rentrer, on va me taper. Il est préparé psychologiquement qu'aujourd'hui, on me tape, je plante les choux. Il va sauf que sortir. Parce qu'il va se dire que je suis déjà habitué, ça, je m'en fiche. Mais il y a toujours un truc que si on fait, on pique comme ça, il va comprendre. Vous comprenez? L'enfant là doit se calmer. Oui. Cet enfant doit se calmer pour son bien. Je ne vois pas ce qui est méchant dans ce que j'ai dit. J'ai toujours soutenu les gays. Je soutiens les gays, mais je ne soutiens pas la bêtise de chacun. Il n'est pas le seul gay au Cameroun. Il n'est pas le seul. On doit lui faire comprendre que tu es dans un pays, tu respectes. Toi-même, grand frère Longuet, tu étais en France. Tu sais ce qui s'est passé. Qui va te suivre toute ta vie. Parce qu'il y a la loi dans ce pays. Parce que c'est la loi ici. Quand tu ne respectes pas, on te punit. C'est comme ça. Est-ce que quand tu étais en France, quand avec tout ce qui s'est passé, est-ce qu'on t'a puni, tu as contesté que oui, comme c'est la France, machin, tu es rentré au Cameroun, non. Maintenant, aujourd'hui, pour que tu reviennes, c'est compliqué. Parce que dans l'ambassade de France, tu es fiché là-bas. Donc, ça veut dire que même si tu demandes le visa dans d'autres pays, on va tout revenir sur ton dossier. Parce que c'est un pays de... Parce qu'ici, on respecte. Quand on dit que c'est comme ça qu'on marche, on doit respecter. On ne peut pas lui dire, continue à faire ce que tu... Continue à vivre comme tu vis parce que tu as le droit de vivre ta vie. Non. Il a le droit de vivre sa vie, mais dans la discrétion. Je ne refuse pas. Il a le droit de vivre sa vie. Et rien, je dis bien que rien, je condamne fermement son agression. Parce que rien ne justifie la bastonnade d'un être humain comme ça, l'humiliation. Il a été humilié, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la deuxième fois. Ce n'est pas la troisième fois. On connaît les conditions des gays, surtout quand tu es travelo. Travelo, c'est ceux qui se changent en femme. La condition de vie, ce n'est pas facile. Parce que tu as envie d'être une femme. Et tu es dans un pays où on n'autorise pas. Donc tu es obligé de prendre les habits, mettre dans le plastique, te changer. Il peut même vouloir aller en boîte. Il arrive devant la boîte de nuit, il va aux toilettes, il se change, il se met en femme, non? Comme les filles traversaient les barrières avec les tenues de l'école pour aller danser là. Il peut même faire ça. Qu'il veut peut-être aller en boîte. Il met ses habits dans le sac, il part en boîte normalement, arrivé, il part aux toilettes, il se change, il sort en femme, il se maquille, il s'amuse bien là, après il met encore ses habits dans le sac. Moi j'ai connu les hommes, enfin, je connais les hommes ici dehors, hein, les pervers, what, là, ils ne sont même pas pervers, il est costard, cravate, mais il met l'habit d'une femme seulement pour son plaisir, comme s'il s'assoit là comme ça. Il te regarde, il s'habille en femme. Hein? Il s'habille en femme. Il peut être discret, il peut vivre sa vie, mais dans la discrétion. On ne peut pas le condamner de ne pas vivre sa vie qu'il vit. Mais il est dans un pays où on ne peut pas. On ne peut pas laisser. On l'a même trop laissé. Vous ne voyez même pas qu'il a trop fait le bruit, qu'on l'a même trop laissé. Hein? Vous ne voyez même pas qu'il a même trop fait le bruit. On l'a trop. C'est parce que c'est avec tous ces soutiens qu'on fait sur lui sur Facebook là, qui lui fait monter la tête. Hein? Il se prend la tête par rapport à tout ce soutien qu'on l'a. Bon, moi, je le parle en tant qu'une mère. Vous connaissez la vie cachée des gens ici dehors? Vous connaissez la vie des gens cachés? Il y a des femmes qui sont... Elles sont mariées, mais elles vivent avec des femmes, hein? Des années. Elles sont même passées mariées au gars. Mais elle est là même comme ça. Elle vit dans le mariage avec son mari. Son mari ne n'a pas sa double vie. Il y a des hommes aussi. Ils connaissent la double vie, mais ils cachent ça pour lui. Il sait que c'est le plaisir de sa femme. Tant qu'elle est dans le mariage, que chacune gère son couloir dans son côté, dans la discrétion. Mais devant la famille qui connaît, qui sait que la femme là est double sim, qui sait qu'elle s'habille en homme. Hein? Qui sait ça? Personne. Rien que le mari, il sait.
Le mari dit peut-être à sa femme que non. Quand tu vas t'habiller en homme là, pardon, tu fais ça quand tu es là-bas dans vos affaires là, mais pas devant ma famille. Il y a le code. Toi, tu dis que le français de ça, hein, c'est ton problème, ma chérie. Comme tu dis que le français de ça, c'est pour ça que je n'aime même pas souvent lire. Tu dis que le français de ça. Viens m'apprendre le français, prends le bic et le crayon. Tu ne peux pas aller donner les cours gratuits de français partout. C'est à une vieille chouette comme moi que tu vas apprendre le français. Hein? C'est pas une vieille mère comme moi que tu vas apprendre le français. On ne peut pas parler à un enfant. À un moment donné, il faut être dur avec cet enfant pour que l'enfant comprenne. Hein? Il y a plein de femmes qui sont mariées là-haut à leur mari, mais dehors, ça dit que dans la vie de couple, elle a encore une deuxième vie de couple. Elle vit encore avec un autre way. Ça dit qu'elle est d'abord mariée avec son Joe. Elle est au pays là-bas. Elle est mariée avec son Joe, mais en ben. Elle est encore mariée à un gars, en ben. Donc elle est au corps comme ça là, elle a son gars, ça veut dire qu'elle est dans le couple, elle gère deux couples. Quand l'autre arrive au pays, tu entends, ils vont dans leur milieu là, ils montent, ils descendent, alors qu'elle est... Oui. C'est ça. Tu m'as fait boire ce matin. Je ne voulais plus boire. Mais je suis un petit peu dépassée de voir que, de voir ça. Tu n'as pas dormi. Moi-même, à 4 heures, tu fais le direct. Moi-même, je n'ai pas dormi. Hein? Félicitations à Biscuit de Metz. C'est ce soir. Le direct pour elle, c'est le soir. Vous allez appeler pour féliciter. Pas les filles jalouses qui se sont assises là-bas. Elle n'est pas enceinte. Elle n'est pas enceinte. Que la honte vous envahisse, mais comme vous n'aviez jamais honte là. Bonjour ma grande, je vais t'appeler. J'étais un peu bousculée. Ok, très bien. D'accord, ça marche, père, ça marche. Bonjour, j'espère que ça a été au village. Ok, quand tu arrives à la maison pour tailler les gazons, là, tu me fais une vidéo, tu m'envoies s'il te plaît. Merci. Si tu peux même trouver quelqu'un, si la maison est un peu sale là dehors, hein, si tu peux trouver quelqu'un pour bien nettoyer et tout, ça serait bien. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé l'appel. Je ne sais pas qui c'est. Quelqu'un a demandé l'appel vidéo. Tout ça là, c'est un peu énervant, quoi. Mais bon, après, sur Facebook, chacun a son moins cher, non? Je suis la moins chère des Camerounais. Je suis vraiment la moins chère des Camerounais. En passant, je voulais vous dire que le 1er septembre, je suis aux États-Unis, au Texas. Petit pays a un grand concert le 2 septembre aux États-Unis. Donc, rendez-vous directement au concert de Petit Pays. Les choses reprennent, les activités reprennent. Donc, rendez-vous aux États-Unis. Je serai aux États-Unis pour entre 4 et 5 jours aux États-Unis. Donc, j'arrive aux États-Unis le 1er septembre pour le concert de Petit Pays et le lancement officiel du restaurant de Angers Kenney Production. Et je serai également à Montréal, au Canada, le 25 septembre. À la nuit du boucan avec Samy Diko. Le 1 des 1. Le 25 septembre à Montréal, au Canada. Donc, réservez massivement vos billets en appelant la PDG des bureaux, José. C'est la marraine de l'événement. Voilà. Donc, retenez les dates. Et en septembre, j'ai la liste des mariages. Je suis invitée à plusieurs mariages en septembre. Donc, en septembre, j'ai le mariage de mon frère. Le mariage de mon frère en septembre. J'ai combien de mariages en septembre? Attendez, je vais regarder déjà. Le 18 septembre, c'est le mariage de mon frère, Giovanni, à Paris.
Le 18 septembre aussi, c'est le mariage de la fille de la doyenne, restaurant la doyenne. Le 18 septembre aussi, c'est un autre événement. Le 23, attendez, il y a aussi le mariage de Périgord. Le mariage de Périgord, c'est en septembre aussi, non? En septembre, le mariage de Périgord. En octobre, je pense que c'est le mariage de Junior Mobitan. Le 23 octobre, le mariage de Junior Mobitan. Et et ce mois-ci, c'est le mariage de... Alors, il me faut beaucoup d'habits, hein. Ouais, la reine m'est toujours invitée. Toujours invitée à l'étranger. Malgré votre haine, malgré votre méchanceté, je suis toujours invitée partout dans le monde. Si j'étais tant mauvaise comme vous dites, vous pensez que les gens vont investir sur moi? On investit sur moi parce qu'on investit sur moi pour gagner. On n'investit pas sur une personne qui fait perdre. Avec autant de haine. Hein? Avec autant de haine sur ma personne. Je suis toujours la number uno de uno. La richesse d'une star passe par le nombre de ses voyages dans le monde. Je suis une femme riche. Riche de savoir. Parce que je voyage dans le monde. Et en janvier, je suis à Singapour. En Malaisie aussi. C'est ça. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Toi-même, tu te maries quand? Tu seras bien surpris. Hein? Toi-même, tu te maries quand? Je vais me marier. Quand je suis en ligne, connectez-vous, envoyez les cœurs et regardez les vidéos. Quand vous regardez mes vidéos, ne passez pas la publicité. Parce que c'est cette publicité qui fait gagner. Le 10 septembre, l'événement de Apuchu National. Je serai avec une star gabonaise, avec toutes les stars facebookiques, toutes mes sœurs camerounaises, même si on se clash, même si on se fait quoi. Quand on parle là devant les étrangers, là, on doit être soudés. Donc, je demande à toutes les sœurs camerounaises, là, à l'événement de Apuchu, soyons belles, maman, parce qu'il y aura les journalistes là-bas, les tenues de soirée. Même si on ne se salue pas, hein. Parce qu'il ne me voit pas en train de saluer mon ennemi. Peut-être sur la piste de danse. Mais la personne qui va me bousculer comme ça. Hein? Que chacun respecte son couloir. Que chacun respecte son couloir. Parce que l'événement de Apuchu, classe chic et glamour dans le 16e à Paris. Pour les billets d'invitation, pour ceux qui veulent les billets, vous me contactez aussi. La gabonaise, la star. Je serai avec les stars gabonaises. Vous allez découvrir là-bas. Pas le mbrakata, pas le bep qu'on tape. Vous ne voulez pas me respecter au Cameroun, quoi, quand on ne va pas me respecter ailleurs. On va me respecter ailleurs, parce que je suis irrespectable. Je dis ce que je pense. Oui, n'en déplaise. J'ai crié, n'est-ce pas? J'ai crié. Hein? J'ai crié ou pas? Bon, si vous avez les événements de soirée, vous voulez passer la publicité sur ma page, vous me contactez. Tonton Dja. Ah, merci. Ainsi, moi, je ne floute pas, je ne triche pas. Hein? Donc, voilà, j'ai beaucoup de... Moi, je suis heureuse. Hein? C'est pour ça que, bon, avoir les papiers, c'est bien. Parce que vous savez qu'en ce moment, on ne voyage que les Français, les Européens. C'est pour ça que les papiers sont bien. Tous les artistes que vous allez voir aller aux États-Unis, aller chanter un peu partout, ce sont des personnes qui ont les papiers en France. Les frontières ne sont pas ouvertes en Europe. Mes sincères félicitations à Biscuit de mer. Tu as accouché et c'est bien. L'enfant ressemble beaucoup à son père. Vraiment. L'enfant ressemble énormément à son papa. Bien noir. Vraiment, ma chérie. Si tu pouvais même doser encore le deuxième.
après les retours de couche, tu doses le deuxième. Quand tu arrives ici à Paris, t'installer, en tout cas, tu étais à Paris avant, non? Ne fréquente pas les vieilles chouettes célibataires, là. C'est les nous, tes grandes sœurs qui sont déjà dans les couples, qui ont été mariées, on peut te donner les conseils. Tu vas fréquenter les filles là, elles vont venir gâter ton mariage. C'est moi qui te dis, ma petite sœur. Tu as compris, non? Quand tu arrives ici, non? Ne les fréquente pas. La petite sœur de Yamour. Macron a fait son anniversaire. Il n'a qu'à inviter les gays. Oui. Macron a fait son anniversaire ici, non? Macron a invité les gays jusqu'à la salle. Il a fait le striptease. Les Français ont fait... Ça lui fait quoi? Envoyez-moi les cœurs et partagez. Ah, le racolage. Donc, comme je dis félicitations, vous aimez trop mélanger les gens. Donc, comme moi, je dis félicitations à Biscuit de mer, ça veut dire que c'est le racolage. Vous êtes tellement bêtes. C'est vous les enfants, c'est vous les filles, vous êtes au Cameroun là qui racolez. C'est vous qui racolez. Moi, je suis quelqu'un que j'ai à manger, paye mon loyer, ça me suffit, ma chérie. Je ne rêve pas du milliardaire. Tu es malade. Donc, félicitations, me dit racolage. Tu me dis que racolage de ça. Je racole. Racolage de ça. C'est toi qui racole. Continue à vivre dans les moustiques. Au lieu de chercher, comment tu vas venir aussi te chercher comme les autres filles? Tu t'assois là-bas. Je fais un big up à tous mes abeilles, ceux qui me soutiennent, ceux qui sont avec moi. Pas les abeilles double visage avec la queue qui avait les pattes cassées là. Pas les abeilles avec les pattes cassées. Vous comprenez? Les abeilles aux pattes cassées là. Vous voulez me lancer le défi? Vous trouvez que vous allez me conseiller. Vous n'avez pas de famille à les conseiller. On conseille une vieille rococo comme moi. J'ai la dernière parole, le dernier mot dans ce que je dois dire. Vous me faites des suggestions. Je suis libre d'accepter ou pas. C'est mon problème. Chacun s'assoit parce que vous avez trouvé l'occasion de parler. Chacun s'assoit, fleur de Lille. Il ne faut plus répondre à ta sœur. Fleur de Lille, tu es jalouse parce que Lady pense à pardonner. Oh, tu es jalouse, tu es jalouse. Jalouse de quoi? Donc, moi, je suis jalouse parce que Lady pense à pardonner, c'est ça. Chacun ressent ses injures sur son corps. Vous comprenez un peu? Donc, arrêtez vos petits nyama-nyama, vos petits nyam-sélé-là que vous voulez faire là. Si Lady pense à pardonner, ça me fait quoi? Mon problème, c'est quoi là-dedans? Moi, j'en ai rien à foutre. C'est leur manioc là-bas à deux. Mais ce serait vraiment dommage. Parce que moi, à la place de Lady Pon, j'aurais dit, tu viens demander un pardon officiel devant tout le monde. Personne ne peut demander pardon à la place de quelqu'un. Voilà, il y a oh, qui a offensé son parrain Longuet-Longuet. Il est venu demander pardon devant les caméras. Il n'a pas envoyé que aller, aller. Il a peut-être envoyé les gens aller faire des démarches, mais lui-même, il est venu s'asseoir, il a demandé son pardon. Le pardon libère. Donc, vous qui pensez que je suis jalouse parce que Lady pense à pardon, j'en ai rien à foutre. D'accord? Vous avez compris, non? Ils font leur micmac là-bas, ça me fait quoi? Donc, il faut arrêter vos petites manipulations à deux balles. Ça fait quoi? Ça fait quoi si j'ai dit? S'il y a quelqu'un qui a insulté, moi j'ai insulté qui? Je n'ai jamais insulté. J'ai insulté les gens qui m'insultent. Et on peut mettre les vidéos d'injures de Fleur de Lys sur Facebook. Je vous permets de remettre mes vidéos d'injures. Vous allez voir que je réponds aux attaques. Et je réponds à ma manière. Je ne suis pas quelqu'un qui va en profondeur, qui fait alors que je peux le faire. Mais j'ai des limites. Une personne me dit qu'elle va m'arrêter à Paris, elle va me taper. Ah, moi j'ai dit qu'elle a deux sexes. Même si elle mentait, ça fait quoi? Écarter ses jambes pour regarder, non.
Ces gens qu'elle envoie insulter, là, n'ont pas insulté plus que ça. Une double, une manipulatrice qu'elle est. Merde! Et jamais vu ça. Mes chers frères et sœurs, quand le serpent te mord, tu vas le mille pas, tu fuis. Il y a les personnes dans la vie qu'elle. Je vous dis qu'il y a des personnes, il y a même les sœurs ou les frères, même père, même mère qu'elle. Tu ne dois pas rester avec eux. Parce qu'il y en a qui peuvent te faire du mal, ils viennent à ton deuil. Comme ça, aura. Toi, tu viens de dire que j'avais dit que et percute à double sexe. Et alors, j'avais dit. J'avais dit. Sa copine n'a pas dit plus que ça. J'avais dit que l'autre a double sexe. J'ai dit. Va te pendre. Elle a. Vous aimez tout tourner, que vous tournez comme ça, vous tournez là. Tu avais dit que le cas double sexe, non? Qui a sorti la liste? Qui a dit qu'il va sortir la liste de Coco Argenté? Les mêmes gens qui parlent du pardon sont les mêmes gens qui blessent les gens. Il faut arrêter, hein? Maintenant, je serai vieux. Quelqu'un m'attaque, je réponds. Parce que vous êtes que qu'on a pitié. Ah, j'ai préparé le Varan. Oh! Ouf, qui a déjà vu le Varan? Ah, j'ai préparé le Varan. C'est trop bon. Mais si je mange devant vous, allez dire que oui, Fleur, tu aimes manger devant les gens. Ça va? J'ai préparé le lézard, le gros lézard, le piment de ça. Regardez mes vidéos. Regardez toutes mes vidéos. Mettez, si moi j'ai insulté la maman de quelqu'un sur Facebook, une seule fois, avec ma première copine qui m'a amenée sur Facebook. Je n'avais même pas insulté sa maman. J'avais dit que tu m'as dit que ta mère fait le poteau à côté de toi sur la même rue en Suisse que toi. Que tu as ta place. Ta mère a sa place. Ce n'était que ça. Je n'ai jamais insulté la mère de quelqu'un sur Facebook. Oui. Mais si on m'a porté plainte, n'est-ce pas, je vais aller, je vais assumer. Hein? Si on me porte plainte, n'est-ce pas, je pars, j'assume, je montre aussi les preuves. Vous pensez que c'est comme ça au Cameroun? Quand on te porte plainte, quelqu'un te porte plainte pour quelque chose, tu viens, on te demande, tu dis que j'ai répondu parce que cette personne m'a fait telle, telle chose et j'ai répondu. Tu dis que Mandjansan a fait quoi? Que Mandjansan m'a porté plainte. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller au Cameroun. Vous ne pouvez pas m'intimider. D'aller au Cameroun, je vais toujours aller parce que c'est mon pays. D'accord? Tu dis que l'autre m'a aussi porté plainte. Hein? Tu dis que l'autre m'a aussi porté plainte. Donc elle m'a porté plainte et elle demande pardon à la place de quelqu'un d'autre. Elle s'assoit au Cameroun. Ne m'énervez pas, hein? Ne me poussez pas à. Ne me poussez pas à dire des choses qu'il ne faut pas. D'accord? Voilà, c'est tout. Si on te porte plainte, tu pars, tu écoutes. Je vais bloquer tout à l'heure. Attends, je commence même à les bloquer. J'ai deux téléphones. Quand je suis à la maison comme ça. Il est quelle heure? Il est 13h. J'ai les gens qui vont venir là pour me monter. Le soir, on peut faire un chantier. Donnez-moi, j'ai besoin des sujets, maman. Je cherche les dos. Ouais. Donnez-moi les sujets, on traite, mais sans injures. Tout ce que vous demandez, c'est que pas d'injures. Je ne veux pas, moi, les injures. Il est là que. Ça fait combien de minutes que je suis sur Facebook, là? Parce que quand c'est trop, c'est pas bon. Voilà les têtes de mort. Je vais les bloquer tranquillement parce qu'ils ne servent à rien. Je commence à te bloquer. Distributeur premier. Regarde comment tu es assis ici. Je ne sais même pas où tu sors. Tu viens, tu me mets les têtes de mort. Je ne sais même pas. En fait, hein, j'ai comme l'impression que les gens me provoquent souvent pour se faire voir. Et comme je n'ai plus envie de fabriquer, moi, je ne fabrique plus personne gratuitement. Ça fait 1 heure que je suis en direct. Je coupe alors. Je lance un autre. Il est quelle heure? On lance l'autre le soir. Bon, pour ceux qui veulent envoyer l'argent au pays, c'est SignWave. Vous téléchargez l'application
et vous envoyez l'argent en Afrique. Regarde alors celle-ci. Elle ouvre la bouche parce que tu as les piercings. Vous aimez entendre. 42 minutes, d'accord. Une heure, on doit faire une heure. Une heure, je coupe. Parce que une heure, je sais que je walk un peu. Blessé de guerre. On fait blessé de guerre ce soir. Parle-nous de Longuet. Longuet, c'est ton égal. Je te parle de Longuet. Longuet, c'est ton égal. Longuet, Longuet ne mange pas le coq. Il mange les mentales râpées à la crème fraîche. Tu veux qu'on te parle? Toi, tu peux manger les mentales râpées. Longuet, Longuet était au marché de chèvres. On l'a donné la chèvre là-bas. On l'a donné une chèvre. Il a fait ça à la crème fraîche. Les mentales. Ah, le grand frère Longuet. Je ne sais pas pourquoi tu me détestes. Mais moi, je ne te déteste pas. Je ne sais pas pourquoi. Ou bien c'est toujours le montage des vieilles putes. Pardon. Des vieilles waka de Paris. Parce que moi, je ne sais pas ce que je t'ai déjà fait de mal. Je ne sais pas pourquoi ce que moi, je t'ai déjà fait. Sincèrement, hein, je ne sais pas ce que moi, pourquoi tu me détestes autant. Je ne sais pas pourquoi tu me hais. Tu as la haine envers moi. Pourquoi? Qu'est-ce que moi, je t'ai fait? Toutes les autres filles qui parlent sur Facebook, on ne t'a jamais vu te lever. Ça fait une heure que je suis sur Facebook. On ne t'a jamais vu te lever et critiquer une personne. Mais c'est toujours moi que tu provoques, que tu critiques. Pourquoi? Moi, je peux estimer que c'est parce que tu m'aimes beaucoup. Parce que je suis ta personne. Oui, je vais bloquer. Je vais bloquer après, non? C'est étoile filante, là. Je vais bloquer après. Nous sommes en vacances chez FDL et Habilleuse Boutique. Nous sommes en vacances, retour dans une semaine. Ça fait déjà une heure, d'accord, je vais couper, je vais aller dormir. Je vous ai dit que je n'ai pas dormi cette nuit à cause de Shakiro. Longuet, Longuet, c'est ma personne, je ne peux pas passer sur son corps. Vous serez surpris de me voir marier à Longuet, Longuet. Laissez ce qu'il fait là. Vous serez surpris un jour que vous me voyez. Non, je ne peux pas parler du Boza parce que les gens ont déjà trop parlé du Boza. Vous voulez quoi? Choisissez le sujet de ce soir. Blessé de guerre ou bien le Boza? Allô, blessé de guerre? Vous me voyez? Allô, blessé de guerre ou bien c'est comment? Dites-moi, on parle de quoi ce soir? À 20h. Allô, blessé de guerre? D'accord, ce soir, on va parler du Boza et blessé de guerre. Ces deux sujets, ça m'a fait... Vous savez, je dois économiser, je dois faire au moins par jour deux directs. Ton numéro. Oh non, Emma. Ok, maman. Bon, je vais cuisiner. Moi, j'ai fait le varan pour moi. Ah, le Boza, d'accord. Ce soir, on fait le Boza. Tapez d'eau. Les filles qui aiment le tapez d'eau. Tapez d'eau. Le Boza, on va faire le Boza. On fait le taper d'eau demain. Parce que je dois faire au moins deux directs par jour, maman. Il faut que je bosse. Facebook, maintenant, c'est le travail. Le Boza, taper d'eau. Mais je ne dois pas faire les gros mots. Il ne faut pas le gros mot. Je ne dois plus insulter. Je ne sais pas, comprenez. Aidez-moi à ne plus insulter. Pardon. Pour ceux qui me connaissent depuis que je suis sur Facebook, j'ai beaucoup changé, oui ou non. Je vais faire la sauce pistache pour maman. Moi, j'ai fait le varan pour moi. Aïe, le varan de ça. J'ai dit que je ne travaille, je ne parle plus pour rien sur Facebook. Moi, quand Massou lance ma caméra, non. Sachez que je suis en train de travailler. Il y a un tournoi de tennis qui va se préparer. Tournoi de tennis au Cameroun. Fleur de Lille. Ça sera très bien. Et sachez qu'au mois de... Je crois qu'en décembre, on a un truc au Cameroun, là. Pour rien sur Facebook. J'ai bloqué toutes les têtes de mort là. Marie-France, j'étais bloquée. En fait, vous croyez que quand vous m'envoyez les têtes de mort, c'est bon, je coupe. Attendez, je coupe, je lance l'autre. C'est la journée, va aller dormir maintenant pour faire quoi? Ah, une heure, d'accord, c'est trop pour la pub. Attendez, je coupe.